Et salut tout le monde, c'est Kabuza50 et aujourd'hui on se trouve avec Benatix. Salut. Qui est à côté de moi. Pour une vidéo de présentation d'une série qu'on va appeler Top 5 déconstruction Minecraft. Alors bon, je te laisse expliquer. En quoi ça consiste. En fait, ça consistait, c'est vraiment un top 5 de construction Minecraft. Voilà. Ou une fois par mois, donc il y en aura un par mois, voilà, on vous le dit déjà pour le moment. En fait, un top 5 de construction Minecraft, donc sur Minecraft, voilà. Et non, je dis de la merde. Non, c'est ça, donc ouais, une fois par mois, en gros, vous... vous ferez des constructions sur un thème qu'on vous donnera. Voilà, donc par exemple, je sais pas... des maisons, des châteaux, ouais, des châteaux, des manoirs. Voilà. Selon l'influence que ça aura sur vous, si vous serez beaucoup à participer, les constructions sont différentes. Ça peut passer d'une petite maison en bouse à un château immense en bois. Voilà. Voilà. Ou donc. Ouais, voilà. Donc une fois par mois, on vous donnera un thème et vous devrez faire une construction là-dessus. Bon, tu veux donner le premier ou pas déjà? Donc, le premier thème, ce sera déjà une maison aménagée ouais, de taille que vous voulez. Ouais. Voilà, une maison de base aménagée. Donc il y a aussi un peu des règles, ce qui est normal. Hein, c'est normal. Ouais. Ouais, voilà, c'est normal. En fait, il y aura différentes règles. D'abord, que le thème soit respecté, hein, parce que sinon, voilà, si tu nous fais une navette spatiale alors qu'on te demande une maison, voilà. Ouais, c'est sûr, ça peut le faire. Donc, la première contrainte, on va dire. Donc, vous allez en fait créer votre bâtiment, votre maison, vu le thème du jour. Et vous allez donc la créer, ensuite tourner dessus. En créatif, enfin comme vous voulez, vous tournerez dessus. En fait, vous ferez une petite courte vidéo, voilà, de 5 minutes maximum sur votre création. Vous commenterez aussi, vous direz ce qu'il y a, vous y serez à l'intérieur aussi, mais voilà. Et donc la contrainte, ce sera en fait pour nous prouver un peu quand même que c'est vous qui avez fait tout ça. Vous devrez donc faire une vidéo de présentation de 5 minutes comme ça. Par exemple, si je présentais le plateau, vous pouvez parler ou vous pouvez ne pas parler. Hein. Donc, vous mettrez sur YouTube ou vous uploaderez sur Mediafire. Ouais, voilà. Donc, nous, après, on la prendra si bien, quoi, c'est ça. Donc, en fait, si vous l'uploadez sur YouTube, vous envoyez le lien via commentaire. Ou alors, on fera peut-être une boîte mail pour l'occasion, enfin, un truc tout bête. Ouais, ouais, voilà. Vous nous enverrez le lien de la vidéo ou alors le lien directement de la page pour le télécharger. Donc, si vous êtes dans les 5 élus en fait pour les 5 qui avaient gagné en fait le top 5 du mois, premièrement votre pseudo et votre vidéo passeront dans la vidéo top 5. Ouais. Et voilà. Et cette vidéo de 5 minutes, vous devrez la faire avec un stuff vide et avec une pancarte. Ouais. Vous pouvez en fait, qui sait pas, vous avez pris la vidéo sur YouTube de quelqu'un qui présente son manoir de 86 000 étages. Ouais, voilà, c'est pour au cas où voilà, vous piquez la vidéo de quelqu'un. Donc, voilà. Et surtout, vous le faites pas en F1 parce que sinon on verra pas la pancarte. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Ben ouais, c'est mensuel, t'as dit, je crois, pour l'instant. Bon, on va voir comment ça marche, si ça marche bien, on continuera, et puis voilà, s'il y a personne qui participe, ce qui serait un peu dommage, mais bon. Voilà, on compte sur vous, et surtout, le plus important là-dedans, c'est que si, selon l'influence que ça a sur les viewers, sur les participants, voilà, si on a beaucoup, beaucoup de réponses à chaque vidéo, beaucoup de vidéos upload, d'autres choses, alors là... on réduira peut-être le temps parce que c'est vrai qu'une fois par mois c'est pas énorme, on met ça comme départ sachant qu'on sait pas encore si ça va très très bien marcher, c'est un peu un test en fait. Ouais.
Et donc, peut-être que si vous êtes beaucoup à participer pendant les 4-5 premiers mois, enfin, ouais, les 2 premiers mois, on va dire plutôt, peut-être qu'on en fera un toutes les 2 semaines. Et qu'après, selon l'influence vraiment que ça a, si ça marche vachement bien, on réduit encore. Bon, ça, on le verra plus tard. Bon. Ouais, je crois que c'est bien. Bon ben, quand tu donc t'as donné le premier thème, donc c'est une maison, tu penses qu'on fera une vidéo juste pour préciser ou pas, non? Oh. Non, ça se prend les viewers pour des idiots. Donc, donc on leur laisse combien de temps avant Donc sachant qu'on est le 6 du 10e mois de l'année, donc on est le 10 octobre, on va dire que pour celui-là, vu que c'est le premier... et je pense que vous êtes sûrement content, vous avez peut-être hâte même de pouvoir participer, de proposer vos créations. Ouais, voilà. Donc on a un petit... Il vient de... Ouais, donc voilà. Voilà. Un petit ban serait nécessaire. Non, ouais. Même pas. Bah, vas-y. Qu'est-ce que je... Ouais. Non, j'ai plus de commandes, je crois. Donc attends, tu disais quoi? Donc combien de temps tu leur laisses? Donc là, on va dire que c'est le 10. Et exceptionnellement, vu que c'est le premier thème et qu'une maison, normale en fait, vous prend pas énormément de temps à faire non plus. Hein. Donc ce sera le top 5 du mois d'octobre. Donc il vous reste encore 20 jours à partir du moment où cette vidéo sort, upload. Et donc, le mot de la fin peut-être. Ouais, donc je pense que à la fin je récapitulerai les règles, tout ce qu'il faut. Donc, peut-être, ouais, je pense qu'on fera une boîte mail spécifique. Ouais, c'est... Bon, voilà, t'as quelque chose à rajouter? C'est moi qui ai fait le plateau tout seul. Ouais, oui, moi je l'ai pas aidé, j'ai juste regardé. Bon, rien. Voilà. Bon, rien, voilà. Bon ben voilà, donc premier thème maison et après faites-vous plaisir. Allez, retour au bunker où on est très collés tous les deux pour dire au revoir. Ouais. Allez, tchuss tout le monde. Tchuss tout le monde.